Eh bien salut tout le monde, c'est Limikoupa et donc aujourd'hui on se retrouve pour cette cinquième vidéo de The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Donc attendez, j'ai oublié de régler son rapidement et entrons à l'intérieur. Donc comme vous l'avez vu au précédent épisode, on n'a que 10 minutes pour essayer de terminer. Donc tant qu'on est ici, on est protégé. Link, regarde en haut. À gauche de l'écran supérieur. Je pense que quand ça va demander de mettre les trucs en haut, je vais mettre les deux écrans. Tiens, bah, je vais le faire maintenant. Voilà. C'est le temps que le sablier fantôme te protège de la malédiction. Trouve le prochain indice avant qu'il n'arrive à zéro et sort au plus coupant. Oui, le sable est coulé, le temple commence à aspirer ta force vitale. Garde toujours un œil vigilant sur le temps qu'il reste. Et donc nous retournons sur l'écran du bas. C'est la porte de la force. Je peux l'ouvrir pour toi. Touche la porte et enfonçons-nous encore plus dans le temple. Donc voilà, maintenant on n'a que 10 minutes, donc quand on est ici ça nous protège plus. Donc là j'ai gaspillé une seconde. Et tant qu'on est dans les trucs comme ça, on est immunisé. Donc voilà. Vous savez tout. Et donc, ah merde, ça sera pour plus tard. Donc faudra que j'aille chercher une clé. Un spectre. Merde. Et même ça et les spectres comme ça, ils sont aussi dans The Legend of Zelda Spirit Tracer, la suite directe de ce jeu qui sera soit directement après ce let's play, soit quelques let's play Zelda plus tard. Regarde Link, un monstre, tu sais ce qu'il te reste à faire. Attends Link, c'est le pouvoir maléfique qui a attaqué le temple qui a créé ces monstres. Le spectre est un ennemi redoutable. Son armure résiste aux attaques, mais un seul coup de son épée et tu tombes. Ils sont invulnérables. Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Ah, quand même, le truc stylé, c'est quand même impossible dans les cinématiques. Enfin, les trucs qui parlent comme ça. Eh bien, tout ce que tu peux faire, c'est éviter que les spectres ne te voient. Tu peux surveiller leur déplacement à l'aide de la carte, de ta carte. Donc c'est à l'écran du haut, mais voilà. Pour vous faire stresser, vous ne le verrez pas. Ah, 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 je suis un petit salopard pour ça. Voici où sont les spectres. Vous ne le verrez pas. Le cône montre leur champ de vision. Vous ne le verrez pas. Nous devons nous faufiler comme des anguilles, alors. Mais s'ils nous voient! S'ils vous voient, courez vers une zone refuge. Une zone refuge, tu veux dire cet endroit où notre vie n'est pas drainée? C'est vrai, le sable ne coulait plus quand nous étions là. Exact! Exactement! Ces plaques violettes sur le sol sont des zones refuges. La malédiction qui frappe ce temple le rend très dangereux, sauf là. Les zones refuges sont des poches qui sont hors de l'atteinte du mal. Donc, si un spectre te voit, cours vers une zone refuge. Facile! Hein, Link? Oui! Allons-y! Link! Ne laisse pas! Un spectre, poser les yeux sur toi. Salut, tu es quoi toi? Allumer les brasiers. Ah mais avec quoi? Avec quoi tu veux que je les allume, pauvre con? Mais comment faire pour allumer tous les deux? Waouh. Ah d'accord, c'est vrai. Non? Putain, ça fait ça. Tout, mais pourquoi des chronomètres, sérieux? Oh. Bah oui, logique. Ok, là on va vite dans la zone refuge. Allez, on va effacer ça, ça nous servira à rien.
Qui va là? Qui va là? Ah bah merde, y'a plus le mot. Ah, tu as été repéré, cours de se mettre à l'abri dans une zone refuge. Qui va là? Ta mère! Allô. D'accord. Faut qu'on aille par là, mais comme... Oh, oui, c'est vrai, ces trucs-là. Brise un vase rouge pour répandre la fluide magique qu'il contient. Brise-toi pour disparaître à leurs yeux. Ah bah d'accord. C'était tout simple, en fait. Donc après, je suppose que vous savez où on doit y aller, hein. Si vous n'êtes pas con, vous savez où on doit y aller. Mais par contre, si vous êtes con, bah, je peux plus rien faire pour vous. Je suis protégé, tu peux pas me niquer, petit PD. Tellement envie de le troll. Oh! Oh! Allez, montons. Enfin, descendant plutôt, hein, parce qu'on descend, on monte pas. À moins que tu descends, mais en montant. Ou tu montes en descendant. Oui, c'est très. Bon, je vais pas perdre de temps, donc je me plains. Ok, je sais qu'est-ce qu'on doit faire. Ok, on a la clé. Maintenant, on doit se barrer. Oh oui! Je préfère me cacher un petit peu là. Parce que, ouais. Non! Pourquoi je me suis. Pourquoi je l'ai mis là? C'était logique. Si seulement j'avais pris le temps d'étudier les trajets du spectre. Il tourne, toujours dans les mêmes traces. Ok, mais je ne vois pas si ça peut m'aider à quelque chose. Ok, là c'est chaud. Nique ta mère! Vite, 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 vite! Attends, j'ai tellement envie de le tester. Ouais, non, c'est dommage. Wow! Wow! Ok, là il nous reste 7 minutes 15. Ok. Allez, normalement on est plus très loin. L'indice menant au navire fantôme se trouve à 7 étages. Ah bah j'avais raison alors. Encore un effort. D'accord, merci madame. Ou monsieur. En vrai, l'effet dans Zelda, on ne sait pas c'est quoi.
Alors ça, c'est le truc trop bien. Ça nous donne des secondes en plus. Ah ouais, les bouts de Triforce. Non, merde. Oh, c'est ultra chiant à transporter. Car regardez. Les bouts de Triforce, on doit les transporter là. Mais on doit pas se faire tuer. Sinon, on doit tout recommencer à zéro. Donc en final, on est piégé. C'est un joyau de Triforce, un morceau du... Merde, on s'en fout au pire. Hein. Là-bas, je les vois. Ouais, j'avais raison sur l'endroit en tout cas. Après, ça ouvrira la porte et on pourra se barrer. Enfin, se barrer, hein. Je dis bien ça en mitonnant, hein, parce que je sais très bien qu'en final, on aura la carte maritime. Et donc après, soit on arrête la vidéo, soit on doit aller au prochain endroit. Bon, par contre, ouais, il n'y a pas eu trop de protection en même temps. Hein. Nice. Ok, de ça, on va se mettre où? On met ça ici. Je préfère vérifier au cas où. Ah bah, dégage la Triforce. Ok, maintenant faut vite qu'on remonte, sinon on est mort. Tu as moi! Salut! Quand même, le bout de Triforce, ils doivent voir le bout de Triforce. Et puis là, je viens. Oh, c'est con. Merde. Ok. Il y en a un qui a la clé. Pour ouvrir, tout simplement, on doit mettre les bouts de Triforce. Allez, premier bout de Triforce, fait. Et on a encore que 6 minutes 47. Donc, ça passe. Les joyaux de Triforce, tu dois offrir. Non, pour ça, il faut les bombes. Non, ça faudra l'arc. Par contre, le troisième bout de Triforce, je ne sais pas où il est. Merde. Allez, on va le troller. Oh, la méchanceté. On m'explique. On m'explique cela, s'il vous plaît. Lol. Ok, on a que 6 minutes maintenant. Maintenant, on a que 6 minutes pour terminer ce temple. Et merde! Ok, on va le troller pour qu'il nous voit plus. On va le troller, on va le troller. Ah oui, c'est merde. Il y a aussi cet endroit-là. Ah bah oui, parce qu'après la porte, elle s'ouvrira automatiquement. Bah ouais, c'est vrai, la porte après s'ouvrira automatiquement toute seule. Donc en final, on n'est pas trop mal. Bah pour cette véritable première fois dans le temple du roi des mers, ça s'est bien passé. Et le troisième bout de la Triforce. Force, courage et sagesse. Et donc aussi, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les trucs de la Triforce, le courage, c'est Link. La sagesse, c'est Zelda, et la force, c'est Ganondorf. De toute façon, si vous jouez à The Legend of Zelda, Ocarina of Time, vous en saurez plus sur les origines de la Triforce. Car ce jeu-là, ça nous explique carrément tout sur l'histoire des jeux Zelda. Hein? C'est bizarre. Il n'y a pas de brouillard dans cette pièce. Regarde. Le sable ne s'écoule plus et ta vie, elle n'est pas aspirée. Cet endroit est encore libre de toute malédiction. Nous pouvons souffler.
Encore heureux. Tu préfères gagner quelques secondes, hein. Ça fera toujours du bien. Ouais, donc là, en fait, c'est oui à l'autre. Donc, il ne faut pas y aller ici. Ah! Et donc, la nouvelle carte maritime nord-ouest. Donc, bien sûr, il y a le deuxième temple. Oh non! Non! Une nouvelle région de l'océan s'ouvre à vos aventures. Oh non, pas cet endroit-là, merde. Il y a une énigme ultra chiante à faire avec ça. Et je regrette. C'est ultra chiant. Mais bon, on va devoir la faire. Une autre carte maritime, mais elle n'a pas l'air différente de la précédente. Peut-être pourrions-nous explorer de nouvelles mers. Montrons-la à Lindbeck. C'était logique. Mais franchement, le truc qui aurait été bien, c'est genre à chaque étage. En fait, quand on a la carte maritime, le truc qui aurait été bien, c'est genre ça nous donne aussi un autre quart de cœur. Ça aurait été pas mal. Mais c'est dommage que Nintendo l'ont pas fait. Mais bon, oh, on va pas cracher dessus, après c'est pas mal, hein. Oui! Bon, attention, on peut gagner de la thune. Si on peut gagner de la thune, hein, ça va être très bien. En plus, j'ai oublié, c'était quoi l'oubli? Ouais, l'objet du prochain temple, c'est la pelle normalement. Meurs. Salut. Oh, de l'argent, merci. Oh. Oh, merci, un rubis. Ah. Mais meurs! Non, purée. Pauvre corbeau. T'avais pas à me chercher. L'argent. Tout pour l'argent! Tout pour l'argent avec Link. Bon, bah, je vais profiter. Au moins, on coupera les herbes pour les gens. J'ai tellement envie de prendre ce poulet. Salut, monsieur. Au revoir. Eh oui, toi là. Ton bateau équipé d'un. Non. Ça rend les voyages plus faciles ou au moins plus animés. J'en sais rien, moi. J'ai entendu dire qu'un type appelé Edo en a à vendre sur une île plus au sud. Ouah, tu es revenu et en un seul morceau, tu as trouvé la carte. Caladon, estime-toi heureux qu'on soit là pour tout faire, Lindbeck. Oui, nous avons trouvé une nouvelle carte maritime. Eh, fais voir. C'est la carte de la mer du Nord. On va pouvoir aller y traîner l'ancre. Mais on ne sait toujours pas où trouver le navire fantôme. Non, on a soufflé, elle est couverte de poussière. Comment tu veux la lire? Rends-toi utile. Et nettoie-la, tu veux? Alors rends-toi utile, c'est moi qui branle tout dans ce jeu de merde et toi tu me dis rends-toi utile, mais va te faire foutre, Lindbeck! Va te faire foutre! Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merde, faut souffler. Là tout de suite. Oh et puis merde, après vous voyez. Et waouh, un autre saut. Achoum! Ouais, bon, je le savais, je voulais te tester. Moi, j'ai comme un sixième sens pour ce genre d'affaires. Le voilà qui recommence. Tu n'avais aucune idée qu'il y était. Ne fais pas semblant de savoir ce que je ne sais pas moi. En tout cas, il doit sûrement être dans de l'esprit dans le coin. Retournons à l'île où nous avons vu ce saut. Un coup en mer et je te dirai comment rejoindre la mer nord-ouest. Tout le monde à bord. J'ai envie de connaître un peu plus là sur le canon. Non. Quoi? Attends, merde. J'ai entendu dire une île plus au sud. Ok. Bon bah on va à cette île plus au sud. Ah non, mais c'est pas l'esprit que je veux aller sauver, Lindbeck, là, c'est avoir un canon. Bon, après, c'est vrai, je ne sais pas ça coûte combien, parce que si ça nous coûte la peau du cul, bon, bah, je donne ma peau et puis c'est bon, hein, je la vends. Je suppose. Non, ça, c'est l'île du feu. Il canon, voilà.
Voilà, je l'avais dit, comme quoi cet endroit-là, ce bled, nous servira à quelque chose. Et bah, c'est l'île Canon. Et là, on pourrait essayer de tirer sur les mouettes. Je sais, c'est sadique et salopard, mais ça peut être toujours drôle. En plus, ça sera pour le lol, alors, hein, ne m'engueule pas, s'il te plaît. Ça sera pour le lol. Île Canon. Ah oui, merde, on doit faire un grand détour. Ah oui, le facteur Piaf. Salut, monsieur. Yo, enchanté. Ce n'est pas que je t'aime pas, mais j'ai dû passer en la planche en fin du courrier. Pas le temps de tenir le cassoir, postier, et mon nom. Quoi, il s'appelle Postier? Mais ça veut dire que ses parents l'ont vraiment pas respecté, hein? Le courrier, ma raison. Et ton blaze, et Zlin, là. C'est Link, c'est ça? J'aurais une livraison spéciale pour toi, un de ces quatre. Claire? Dis que t'es pas du genre à tirer au lance-pierre sur tout ce qui vole, hein? On n'est pas comme ça, hein? Ah oui. Franchement, je l'ai fait plein de fois sur Animal Crossing, mais en vrai, je serais peut-être comme ça pour lui. Si c'est pas mon courrier, je le ferai un jour, hein. On s'est terminé. Mais par les temps qui courent. Bon, j'ai besoin de ta signature. C'est pour le cas où j'aurai une livraison spéciale cool. Sur ce, je marche à plus. Pourquoi il m'a pas fait ma signature? Je veux ma signature. Bonjour. Bonjour, bienvenue au bric-à-brac d'Edo, la boutique du maître de Maître Edo. Je me nomme Fouzo et je suis son apprenti. Et vous? Oh, enchanté Link. Pardon, tu veux un canon? Désolé petit, mais nous n'en avons pas pour le moment en tout cas. Mais le maître s'est retiré dans son atelier pour travailler sur un canon. Oui, il s'est enfermé là-dedans pour que rien ne brise sa concentration. Si tu veux vraiment un canon, alors va parler au maître. Tu peux faire le tour de l'île pour passer par la porte de derrière, mais c'est un trajet dangereux. La porte de derrière n'est jamais fermée à clé, c'est ta chance pour l'usager. Je peux t'ouvrir la porte qui mène au reste de l'île si tu veux. Suis-moi! Oui, c'est une voix très con, mais déjà vu sa gueule, il est con alors. Ah bah, rip, la pointe. Merci madame. Crève, 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 crève! Ah oui, mon argent, mon précieux! Mon précieux! Allez, salut. Au nom des reins. Salut. Waouh, c'est quoi ça? Vite, Link! Oh, allez, on attend, nous. Ouais, ça ne servira à rien, mais prends-le quand même. Allez. D'accord. Non, on s'est fait piéger là quand même. Allez. Ah oui, ah bah d'accord. Oui, bon, bah en tout cas, on terminera ça au prochain épisode. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikoupa. Et puis moi, je vous dis à plus pour la suite. Allez, salut tout le monde!